Jodi, nous conscients comme une structure Petro Challenger, membre de la société civile militante dans le pays, à la conférence de presse, nous premier niveau pour capable positionner clairement la situation de crise politique que nous avons continué à traverser suite à la mort Jovenel, assassinat Jovenel. Le deuxième niveau, c'est continuer à mener une bataille contre la corruption et particulièrement question Petro, question FNE qui c'est Fonds National pour l'Éducation, son dossier nous venons avec jeudi, nous allons le présenter à la presse. Et maintenant, nous allons présenter la deuxième partie qui est avec question corruption. Position nous conscients que par rapport à la question corruption dans le pays et par rapport à l'évolution de la situation dans le dernier moment, aucun accord politique pas qu'à faire sans que il y ait des éléments qui pas insérés dans l'accord. Comme élément, c'est un procès Petro-Caribéa, son élément fondamental. Et c'est dans ce sens en passant, nous tout dit, même Jean la Cour des comptes, mettez des ensemble d'arrêt de débat contre ensemble de monde qui t'a géré l'argent de l'État. Il faut le faire pour même Jean pour ensemble de monde qui t'a gagoté l'argent Petro-Caribéa. Et même Jovenel, même s'il a assassiné, il parle encore. Depuis qu'il y a arrêt de débat pour lui, c'est mettre le derrière, l'extrêmement fondamental. Deuxièmement, nous conscients dit, gouvernement qui l'a, nous pas reconnaître lui parce qu'il pas gouvernement population, hein. Lui pas sorti de aucun accord politique, c'est imposer ou imposer nous, gouvernement ça. Et c'est peut-être ça, nous dit, vrai gouvernement, c'est gouvernement qui a sorti dans l'accord là. Comment comprendre? Nous sommes deux mouns qui ministre là aujourd'hui, c'est deux mouns qui t'a supposé répondre à la question de la justice. Wok fait les Vincent, Ticlode, font classe ou ça. Go paquet là, c'est des inconnus. Par contre, autant de moun ministre éducation nationale, ou en côté le sorti. Ça produit, c'est pas même PHTK encore mettez. Font classe ou ça. Et maintenant, en dernier lieu, parce que dossier corruption yo, n'a toujours manqué yo. Et c'est dans ce sens ça. Fonds national éducation, nous faut nous voyager garder. 2014, pouvoir PHTK décider arbitrairement d'il apprend l'argent sur ensemble de diaspora pour être capable venir en aide à l'éducation. Mais de manière arbitraire, quelques années après, un ensemble de députés et sénateurs qui votaient loi organique Fonds National Éducation, hein, malgré un paquet de réserves, société civile là, te gué sous lit, ils ont décidé de voter. Mais je dis, il y a 7 ans après, c'est des millions de dollars américains. Faut ça rentrer pour capable aider l'éducation. Mais près de 7 ans après tout, l'éducation n'a pas eu aucun travail sérieux fait là-dedans. Élève dans la rue, enseignant dans la rue parce que pas qu'à toucher. 4 de débit à jeune promettre, pas de 4 de débit. Étudiant école normale qui supposait nommer après stage, ça n'a pas fait. On n'a pas de gros problème dans le secteur. Là, et puis au jour, Fonds National Éducation là. Et parallèlement, clameur public dit, grand ensemble de monde qui dit, faut ça, c'est particulièrement à Genor Cadet, qui te comprend pas bout de sac, à le déposer par les nationales pour qu'il y ait un job. Et dans ce sens, ça, nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous en main, comme une structure de Petro Challenger qui a mené une bataille contre la corruption. Nous écrit M. Hans Joseph, qui je dis à directeur ULCC comme institution, même s'il proche PHTK, mais. L'ULCC, c'est son institution. Nous demandons rapidement pour débrouiller comme Jean-Jacques pour une enquête administrative qui fait sous FNEA, qui est un Fonds National Éducation pour diaspora, population au courant, l'agent qui ça le fait. Et c'est dans ce sens ça nous dit bataille, ça nous commence contre corruption, nous continuons ensemble avec elle, nous continuons ensemble avec elle jusqu'à ce que pays au moins on leur. Corruption pas éliminé, mais l'a diminué considérablement. Donc c'est dans ce sens que je dis à nous présenter conférence de presse pour nous continuer à mobiliser, continuer la bataille, continuer à mener la bataille contre la corruption. Donc par rapport à la position nous conscients dans le contexte ça, camarade Pilate Voltaire. Et après la mort et crapuleux, assassinat crapuleux et l'ancien président de facto Jovenel Moïse et qui était un vide
institutionnel exceptionnel dans ce pays. Qui fait que depuis 6-7 juillet, le pays a vécu une situation politique et socio-économique très 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 délicate. Et après l'assassinat de Jovenel Moïse, nous considérons un acteur clé qui a bataillé pour casser le système ça et continuer bataille pour casser le système ça, te comprendre la situation hein, et te réunir rapidement pour nous discuter avec ensemble des organisations de la société civile là, partis politiques, etc. Et sans ça, nous considérons te discuter avec la société civile, d'ailleurs nous sommes membres du comité qui a cherché une solution dans la crise là, et nous discuter avec des secteurs politiques, nous. Et la discussion ça a continué. Mais nous clair sur position. Nous ne pas reconnaître aucun gouvernement sans un accord politique. Parce que pas aucune position légale pour nous combler vide institutionnel ça. C'est un accord politique qui suppose bas un gouvernement. Jusqu'à présent, pas reconnaître Ariel Henry. Jusqu'à présent, pas reconnaître aucun ministre qui l'a. Pour nous, c'est des nègres qui occupent un espace parce que pas de monde qui occupe. Mais nous prêts pour nous discuter à tout le monde. D'ailleurs, nous mettons toute force sur nos batailles là pour nous venir à un accord politique. Mais dans l'accord politique, ça, il y a des bagages qui vont négocier. Par exemple, question procès de Caribéa n'est pas négociable. Question massacre, nous, dans sa ligne, n'est pas négociable. C'est insécurité, côté que dans toutes les cas, c'est un cas, jeunes, n'est pas négociable. Car c'est conseil électoral, ça, tout. Il n'est pas négociable parce qu'il ne peut pas parler de l'élection avec le conseil électoral. Ça. Comparativement avec une équipe qui fait semblant en opposition, qui a parlé de transition de rupture, qui a fait la nuit, il ne veut pas dire parler de l'élection. Il y a un qui même osé dire que l'élection n'a fait en 2021. Ça, ce n'est pas bien. Ça, nous et dans ce sens, nous-mêmes nous disons que l'élection, c'est là, toutes les conditions sont réunies. Et nous disons, quel que soit qui veut aller à l'élection, tel nous. Nous avons une vision, nous avons un programme, n'importe qui vient de casser de l'élection qui vient là. Mais fait autant. Par exemple, nous avons un jeune qui va côté de la Bakison, qui t'a remis à l'élection. Merci le gars avec Gangzao. On va qu'un nègre qui vole la championne du Caribe. On équipe nègre qui participe dans le droit qui classe nous battre 20 droits de VIA. Et c'est une élection avec nous. Non. Dans le Parlement, c'est des jeunes garçons, des jeunes femmes crédibles. On est de corps et d'âme qui a le Parlement. Nous je dis, c'est là nous y est. C'est dans la logique ça que nous y est. Dans ce sens, au clair, se positionne nous. Nous prenons pour dialoguer à quel que soit acteur de VIA. Mais il y a des bagages nous pas négocier aujourd'hui sur ce deal là. Et une autre question qui est fondamentale nous supposer dit là. Départ Jovenel là, ils font un impact sur la situation socio-économique pays là. N'a regardé son sujet d'actualité, nous avons constaté nous n'est qui goûte machine nous aujourd'hui là, il besoin environ 1000 gouttes pour acheter un gallon gaz. Un gaz qui va même bon même. Qui rôle BNP? Qui rôle commissaire du gouvernement? Et puis l'aime passer de là il y a moi gaz, combien de gaz ça? Ou quelque si le commissaire du gouvernement qui l'a, si le directeur de l'EMPAD qui l'a, il n'a pas qu'à assumer les responsabilités de l'école là. La. Parce que ce n'est pas vous. Le pays a souffert, le peuple a souffert. Et nous conseillons tout profiter de ce moment ça pour faire appel à toute couche sociale dans le pays pour mettre ensemble pour jouer un accord politique rapide, vite. Parce que la population a souffert, le peuple a une situation difficile, l'économie a presque disparu, une inflation technique. Pas de possibilité pour nous faire activité. Nous besoin un climat de sécurité côté tout le monde vivre convenablement. Côté que nous avons dit la vie qui est prendre en dans la société haïtienne. Dans ce sens, nous dit que l'accord politique là, est inévitable et nous travaillons d'arrache pour jouer dans ça. Merci beaucoup. Conscient, nous avons dit dans l'intervention, il dit que nous avons chita à tout acteur, notamment acteur qui est dans la société civile, pour jouer une solution haïtienne à la crise. Tout acteur haïtien qui a discuté, tout acteur haïtien qui a parlé ensemble pour jouer une solution haïtienne à la crise, y a inclus. Cependant, nous ne conscients pas identifier ni X ni Y. Sauf que nous-mêmes, il y a des balises qui sont établies pour les gens qui viennent dans le gouvernement, qui viennent là, signer le gouvernement transition de rupture. Eh bien, quand même, il faut que c'est des gens qui ont fait rupture vraiment. Par exemple, comment voulez-vous parler d'un gouvernement en transition de rupture? C'est des gens qui doivent être trempés bien long dans la corruption, dans l'assassinat, dans tout crime qu'a fait dans le pays depuis 10 ans PHTK, et puis c'est eux-mêmes qui viennent dans le pouvoir encore. Par exemple, si vous regardez là, le gouvernement qui est soi-disant gouvernement qui est là, vous regardez Claude Joseph,
yo assassiné le président, moun sorti à l'étranger, vin assassiné le président, ministre affaires étrangères pays a, li va démissionner. Comment vous voulez parler de transition rupture pour refaire lever sans pile massacre fait dans le pays a, gang a fendé avec gros âme nan meyo, pendant a gazé moun k'ap manifester pacifiquement et puis toujours dans le gouvernement, ou pensez que le gouvernement avec moun sa yo? On tire le Sénat soi-disant au dit qu'il a, mais écoutez, quelle est la position de ce Sénat par rapport à l'ensemble des revendications de la population? Donc nous pensons que nous parler d'une discussion largement large, évidemment tout le monde l'a donné, mais je dis à nous-mêmes, nous pas prendre position ni pour X ni pour Y, sauf que nous disons qu'il faut que de monde qui est crédible, il faut que de monde qui est société qui a fait confiance. Donc c'est là que nous conseillons. Nous allons faire